Au parc animalier d'Auvergne, une nouvelle pensionnaire a rejoint le secteur des lions. Les vétérinaires préparent leur matériel médical pour le premier check-up vétérinaire de la nouvelle lionne arrivée la veille. Cet après-midi, ils auront pour mission de réaliser une auscultation complète de l'animal afin de vérifier son état de santé. La jeune lionne a été stressée par son voyage et ne s'est pas encore totalement habituée à son nouvel environnement. C'est une lionne qui vient d'Ukraine, qui a été transférée du coup il y a 2 jours chez nous. Elle a 3 ans, elle s'appelle Tawa. On a eu un appel en fait de l'Association Européenne des Zoos qui nous a contacté pour essayer d'aider les Polonais. En fait, les Polonais ont récupéré 17 lions d'Ukraine. Il fallait les placer très rapidement parce qu'ils n'avaient pas la capacité d'accueillir ces lions-là. Nous, on a répondu favorablement parce que l'idée c'était de faire un effort de sauvetage et d'aider au maximum la situation dans laquelle ces animaux sont. Originaire de la ville de Kharkiv en Ukraine, la lionne Tawa a été transférée dans un premier temps au zoo de la ville d'Odessa au début du conflit. Puis elle a été à nouveau déplacée, cette fois en Pologne, au zoo de Poznan. Et enfin, Tawa rejoint le parc animalier d'Auvergne le 28 juillet 2022. Pour pratiquer cette opération médicale, la lionne est anesthésiée pour la sécurité des vétérinaires. Une fois endormie, la lionne Tawa pourra être auscultée par l'équipe médicale. Les vétérinaires du parc auront alors 1 heure pour manipuler le fauve et lui faire passer une série d'examens. Par précaution, Tawa sera intubée durant toute la durée de l'intervention pour s'assurer qu'elle puisse respirer. Alors c'est nécessaire de faire ce check-up parce que c'est un animal qui vient d'une zone de conflit. En fait, on n'a pas beaucoup d'informations sur elle finalement. Donc on est un peu obligé de vérifier. On nous a donné des informations, mais voilà, il faut quand même prendre un peu de recul. La lionne Tawa sera identifiée grâce à une puce électronique. L'identification des animaux dans les parcs zoologiques est obligatoire pour lutter contre le trafic d'animaux sauvages. Grâce à cette puce, l'équipe du parc animalier d'Auvergne pourra recueillir toutes les informations concernant cette lionne ukrainienne. D'un point de vue strictement, on veut dire, sanitaire et médical, moi, l'intérêt, c'était aussi de vérifier qu'elle allait bien, qu'elle est en bonne santé. Donc là, j'ai pu vérifier qu'elle a une bonne dentition, que ses yeux vont bien, que sa peau, etc., ses articulations, ses organes, tout. Donc là, tout va bien. Donc on est rassuré. J'ai même fait une échographie pour vérifier qu'il n'y ait pas de petits, parce qu'elle devait voyager avec une autre lionne. Cette lionne n'a pas pu être transportée parce qu'elle a mis bas, en fait, le jour où elle devait être transportée. Ce check-up vétérinaire a pu confirmer que la lionne Tawa est en excellente santé. Dans les prochains jours, le félin pourra découvrir un peu plus sa nouvelle demeure. La lionne pourra explorer son large enclos qu'elle devra à terme partager avec les 2 lions du parc. Donc on va essayer de le mettre en contact, donc Tawa, la lionne qu'on a reçue, dans un premier temps avec le mâle. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile entre mâle et femelle au niveau des lions. Au niveau caractère, c'est assez compliqué de mettre des lionnes en contact, surtout avec la nôtre. On a déjà essayé dans le passé et on n'a jamais réussi à faire venir d'autres lionnes avec elle. Elle est très très possessive. L'idée c'est de mettre en contact progressivement. Là, ils sont déjà entendus, sentis. L'idée c'est de faire après la mise en contact visuel avec le mâle. Si ça se passe bien, là après on fait une mise en contact directe, c'est-à-dire qu'on les met dans le même enclos et puis on voit comment ça se passe. Les visiteurs pourront dès cet été rendre visite à la lionne Tawa qui fera prochainement ses premiers pas dans son enclos.